Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, comme vous l'avez vu dans le titre. Donc, je vous explique un petit peu ma journée, je vous emmène avec moi parce que en fait, je vais chez IKEA refaire des petits achats pour ma pièce et que aussi un bureau, mais ça c'est personnel, c'est pour moi travailler. Et en fait, je voulais vous montrer parce que il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent, j'arrête les cils. Et en fait, dans ma pièce, il y avait mon bureau de manucure et il y avait ma table de cils. Sauf que ma table de cils prend trop de place. Donc du coup, je suis trop contente de sa part. Je vais la revendre. Et à la place de ma table de cils, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit meuble dans le coin. Je vais vous montrer. Tout simplement pour faire stock, en fait. Un meuble spécialement pour les stocks. Parce que ici, j'ai plus de place. Je vais vous montrer. Donc comme vous le voyez, bon, c'est un peu bordel avec les fils. J'ai tous mes vernis là, mais j'en ai encore plein là parce qu'en fait, je n'ai plus de place. Et mes stocks sont tout dans le bas. Donc là, c'est le bordel de crème et tout. Sauf qu'en fait, quand je veux faire mon stock, quand il y a des promos, etc., pour en profiter, je ne vois pas bien tout ce que j'ai. Donc des fois, j'achète des doublons, etc. Donc du coup, ça me saoule. Du coup, ce que j'aurais aimé faire, c'est donc avoir un meuble où je mets tous mes stocks. Par exemple, mettre un bac avec toutes mes finitions brillantes, un bac de mes stocks de coton, de mes stocks de masques, plein de choses comme ça. Comme ça, je vais être organisée parce que j'aime bien quand c'est bien organisé et rapide et efficace. Voilà, je sais pas encore ce que je vais acheter comme meuble. Je vais au IKEA Luxembourg, je crois. Il y a plus ou moins 1 heure de route là et je sais pas il est quelle heure. Ma montre est en train de charger. Je sais pas il est quelle heure. Je vais y aller et je dois acheter quelques babioles aussi, je sais plus quoi. Bon, de toute façon, je vous emmène avec moi mais je vais vous montrer avant. Donc voici le coin en fait où j'ai enlevé ma table de cils. Donc ça c'est ma table, la housse de la table, la lampe et le coussin. Donc ça je vends tout. Le coussin est déjà réservé. Donc ça part. Donc là il y a mon bureau et ici. Là, je voudrais mettre mon meuble. Donc ici, c'est là qu'il y aura mon meuble. Donc je pense que je vais enlever le cadre et j'aimerais bien une grande armoire ou un petit meuble, je sais pas. Donc en gros, c'est aéré dans le coin là. Je gagne trop de la place de malade ici. C'est trop bien. Enfin, je gagne trop de place. Donc j'ai trop hâte de faire mon petit rangement là et ça va être plus propre. Parce que ma table, ça prenait trop de place. Hier, j'ai enlevé mes décos de Noël vu que c'est terminé. Donc voilà, et je vais y aller et je vous dis à tout de suite. Dans le vlog, vous allez voir que j'ai plus le même pull qu'au début. C'est normal, je viens de me changer. J'avais trop chaud avec l'autre. Donc voilà, j'ai mis celui-là. Je sais pas vous, mais chez nous, il fait dégueu, trop froid. Du coup, je vais mettre les chaussures en pilou pilou. Ça c'est beau, j'aime bien. J'hésite avec celle-là, mais elle est trop grande. Ouf. Ou j'hésite avec celle-là. Pareil, c'est trop haut. Avsta. Mais je pense que je vais prendre la première, elle est plus petite. Bon là c'est pété, normalement ça ressemble à ça. Un peu trop, c'est chiant, du coup je vais prendre la première. Comme ça. Ah, 69,90, Brim. Parfait, allez. Ça, c'est les rouleaux cuisine que je prends pour mettre dans mes armoires quand il y a des gels qui coulent. Je sais pas s'il y a le prix. Il n'y a pas le prix. J'avais pas vu le prix, il est là. De ça. Et j'ai pris en transparent. Regardez, c'est ma chaise.
Oh, ça fait trop longtemps que je l'ai, sauf que maintenant je travaille plus sur cette chaise là. J'ai pris une chaise mieux pour mon dos, j'avais pris sur Amazon. Mais mes cartes elles s'assoient sur cette chaise là. Et en vrai elle est trop confortable. Ils existent en rose, en noir, en bleu, je ne savais même pas. Ah, ça, c'est mes petits pots. Ah non, c'est pas ceux-là. C'est mes petits pots. J'ai des pots comme ça où je mets mes pinceaux dedans. Enfin, avant, je les mettais parce que maintenant, j'ai mon truc sur le mur. Ça, c'est des bougeoirs. Mmh. Oh, j'adore. Alors ça, je kiffe. C'est vraiment mon délire. Donc j'ai mon salon, je vous dis pas. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, je viens de rentrer de chez Ikea. Je vais commencer à monter le meuble. Je vais vous montrer. Là, je viens de finir de monter mon bureau. Dans mon bureau, c'est hyper lourd. Donc voilà le nom de mon meuble. Brimn. Je sais pas. Semble à ça. En couleur blanche. Bon, je vais essayer, mais je sens que ça va être la galère. Voilà mon meuble monté, j'adore. Franchement, je l'ai monté toute seule en un petit peu plus d'une heure. Franchement, c'est super bien expliqué et c'est passé crème. J'aime trop l'intérieur, il est comme ça. Après, vous pouvez régler hein, ici. Vous pouvez mettre plus haut, plus bas. Et là, je vais mettre mes bacs, tout ça. J'ai trop hâte de mettre ça. Bon, là, il commence à être tard. Je vais pas le faire ce soir, surtout que demain, je travaille. Mais franchement il est beau, j'aime bien. Et j'allais dire faites pas attention mes mains. En ce moment je bricole beaucoup. Là j'ai fait du gros tri chez moi, j'ai tout jeté, j'ai bricolé. Donc là mes mains sont défoncées. Là le bobo là c'est quand j'ai monté le meuble. Même pas ce meuble-ci, c'est quand j'ai monté mon bureau parce que j'ai acheté un bureau pour moi et ce meuble-là. Et quand j'ai monté le bureau, ben je me suis fait mal. Mais bon, mes mains ont toujours été comme ça. Ça, c'est mon chat. Voilà. Mais là, tout de suite, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté chez Ikea. Avant de vous montrer tout ce que j'ai acheté chez Ikea, je voulais vous parler d'un truc. Quand j'ai monté le meuble, vous avez dû voir, j'avais des sortes de patchs dans le dos. Alors, je vais vous en parler parce que si vous avez des mal de dos comme moi, je vous le conseille. En fait, c'est ça. Alors, ma mère l'utilise parce qu'elle a des problèmes de muscles à son pied, je sais pas trop quoi. Donc, du coup, elle avait acheté ça. Et en fait, c'est un petit peu comme chez le kiné. Et vu que moi, avec la route, lui, j'avais plus ou moins une heure de route pour aller chez Ikea, la route, ça m'a trop donné mal au dos, au cervical. Et du coup, j'ai acheté la même chose qu'elle. Et quand j'allais chez le kiné, pareil pour mon dos, et ben ils utilisent des trucs comme ça. Et en fait, vous devez télécharger l'application et vous avez pour les douleurs de dos, les douleurs bas du dos, ventre, fesses, cuisses, genoux. C'est bien si vous faites du sport aussi. Mollet, cheville, ma mère utilise ça. Pieds, bras, coudes, avant-bras, poignets, enfin vous avez vu, il y a plein de trucs, épaules. Moi j'utilise haut du dos et à chaque fois vous pouvez choisir de soigner, renforcer, traitement, relaxer. Relaxer c'est pas mal aussi. Donc moi je fais haut du dos, soigner. Alors vous pouvez choisir soin du muscle, antidouleur. Vous avez plein de trucs et moi j'aime bien aussi faire relaxer. Franchement ça détend trop bien mes muscles. Voilà, c'était le petit truc du jour parce que je sais que vous allez me demander qu'est-ce que j'avais dans le dos. Donc ne vous inquiétez pas si un jour vous voyez des petits patchs comme ça bleus sur mon cou ou dans mon dos, c'est normal. Bon, commençons avec ce que j'ai acheté. Je vous dis pas.
Donc, j'ai acheté des nouveaux tapis pour ma salle de bain. Oh là 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 là. Je vous jure, la douceur de ce truc. Donc, j'en ai acheté deux parce que dans ma salle de bain, il y a deux grands tapis. Franchement, vous imaginez même pas la douceur de ce machin. Par contre, je vous avoue que c'était un peu cher, entre guillemets. C'était 20€ l'unité. Mais franchement, j'ai trop craqué. Je me suis dit, je m'en fous. Il est trop doux, il me faut. Et c'est... je vous mets au défi de le dire. Alors, Almetjarn. Voilà. Alors, ensuite, j'ai racheté ça. C'est pour mettre dans le fond de mes tiroirs. C'est un truc de cuisine. Je vous en ai parlé juste avant quand j'étais là-bas, justement. Donc, je l'ai pris. J'ai pris un petit pot pour le mettre sur mon armoire si je dois mettre des chocolats ou quoi. J'ai pris un autre petit pot pour faire un... Comment est-ce que je vais appeler ça? Un bac à crayons. Avec mon nouveau bureau. Voilà. Ensuite, ça, c'est des sous-tasses. Alors, je suis dégoûtée parce que je voulais prendre la tasse qui allait avec. Mais c'était en rupture de stock. J'étais deg. Donc, du coup, j'ai juste pris ça. Et je vais mettre des tasses à moi. Les rouleaux, j'en ai pris 3. Parce que les rouleaux, comme ça, collants, c'est les best. Best, best. Je vous jure, essayez-les. J'ai pris ça parce que c'est un anti-tache pour canapé. Et là, en fait, sur mon canapé... On va voir peut-être si je zoome. Vous voyez là la tache noire? Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas qui a fait ça. Mais il faut que j'enlève cette tache. Donc voilà, j'ai acheté ça. J'ai acheté des aimants pour mon frigo. Alors j'ai acheté ça. Alors vous allez dire qu'est-ce que c'est? Alors c'est tout simplement un porte-parapluie si je me trompe pas. Ça s'appelle Variera. Donc ouais, je crois que c'est un porte-parapluie. Et en fait, moi, je vais me servir pour mettre ça dans mon armoire. Pour ranger mes papiers cadeaux. Voilà, si vous voulez une astuce. Voilà, je vais ranger mes papiers cadeaux là-dedans. C'est trop pratique. Ça coûte pas cher. 1,50€ ou 2€, je sais plus. Ensuite, j'ai pris un tapis Welcome pour devant chez moi. Voilà, très intéressant. Un autre rouleau. Comme je vous dis, j'en ai pris 3. J'ai pris un tapis comme ça. J'ai le même en gris là-bas. J'ai le même en gris. Je l'ai pris comme ça en rose. Oh, pareil, la douceur de ce machin. Pour dans ma chambre. Et c'est tout. Et ici, j'ai pris alors une petite bougie. Alors, c'est glace à la vanille. L'odeur, c'est con, vous pouvez pas la sentir. Quand est-ce que YouTube va faire un truc comme ça, qu'on peut sentir les odeurs à travers notre écran? Et j'ai pris ça, pareil, pour mettre ma petite bougie dedans, pour l'allumer. Comme ça, quand je travaille, c'est trop cocooning. Enfin bref, et bien sûr, j'ai acheté le sac. Je voulais vous montrer aussi une petite astuce. Vu qu'il y a mon canapé, enfin mon canapé, il y a un canapé dans ma pièce où je fais les ongles. Bah forcément, ça accumule de la poussière et quand les clientes posent leurs affaires dessus, ça laisse des petites moumoutes et tout ça. Vu que j'aime bien que ce soit bien propre, et ben en fait, je prends mon rouleau et je passe comme ça. Vous voyez la tache là? Je vais essayer avec le produit, je suis deg. Donc voilà, je passe comme ça partout, comme ça enlève la poussière. Et en fait, je fais ça tous les soirs. Voilà, du coup, je vais vous parler de ça. C'est une box pour chat. Donc ça, c'est la deuxième box que je teste. Et écoutez, celle-là, elle est vraiment ouf. Déjà, la boîte est hyper grande. Et c'est hyper qualitatif, on va dire. Donc je vais l'ouvrir. Waouh! C'est la marque Ultra Premium Direct. Allez, regarde. Waouh! Non mais toi t'es vraiment une grande gâtée hein. Je te le dis. Et franchement la box est hyper complète. Je suis trop fan. Donc ici derrière, mais je peux pas vous montrer, j'ai un code promo 7€ offert sur ma prochaine commande. Le chat est dedans. Merci le chaton, je ne peux pas voir. Donc nous avons de la nourriture. Est-ce que je vois madame est déjà intéressée? Tu peux attendre s'il te plaît parce que là... Alors on va commencer par quoi? Par un petit jouet. En fait, c'est un jouet comme ça. Oh, t'es contente. Trop mignon. D'accord, tu l'aimes déjà beaucoup. Okay, j'ai vu qu'on avait un autre jouet. Ok, bah elle l'a trouvé. Bon, elle l'aime déjà beaucoup. Je vais essayer de lui piquer. Bon, c'est trop tard. Voilà. C'est un petit triangle tout chou. Mais, hé eh. Regarde, si tu veux, je te le mets là. Oh là là. Regarde, regarde. Je te le... Oh, il est déjà plein de bave.
C'est bon, c'est... Voilà, va là-bas. Donc, ensuite, nous avons... Ah. Oh, c'est trop chou. Non, mais... Mon chat, il y a des trucs plus stylés que moi, quoi, s'il vous plaît. Alors, c'est un shampoing sans rinçage, effet fraîcheur 24 heures. Chien, chiot et chat. Ensuite, on continue. Donc ici, nous avons un petit plaid, donc Love Story. C'est le mettre dans son petit panier. Donc là, on a ça en accessoire. Ensuite, alors là, nous avons de la nourriture, les gars. Là, nous avons de la nourriture. Alors, j'ai trois petits paquets de croquettes. Alors, chat adulte stérilisé. Donc ça tombe bien parce que moi, c'est ça. En fait, elle est chat adulte stérilisé, chat d'intérieur. Putain, vous avez vraiment bien visé. Pareil, chat adulte d'intérieur. En fait, ah, mais c'est les trois mêmes, j'ai même pas capté. C'est bien pour tester. Donc apparemment, comme je vous disais, c'est des croquettes naturelles. Croquettes 100% naturelles pour chien et chat. Je vais les tester, lui donner ça demain matin. Parce que d'habitude, moi, j'utilise quoi? Je sais plus où j'utilise comme main. Bah écoutez, ça c'est choupinou. Ensuite, nous avons deux sachets de pâté. Ah oui, parce que je vous ai même pas dit, c'est la marque Ultra Premium. Ensuite, j'ai un sachet de pâté Ultra Premium direct. Aliment complet pour chat. Je ne sais pas, fabriqué sans céréales. Donc en fait, c'est vraiment des choses sans céréales pour le soin des animaux. Et ensuite, nous avons de la pâté un petit peu en boîte. Je sais pas ce qui change. Ah, c'est de la pâté, mais de la pâté mousse. Hein? Waouh! Oh! Voilà, c'est de la mousse pâtée, je sais pas comment ça s'appelle. Donc là, c'est poulet savoureux. On en a un autre qui est encore poulet savoureux. Ensuite, c'est de la sole esquisse. Donc ça, c'est du poisson. Ça, c'est pareil, c'est de la sole esquisse. Nous avons quoi d'être? Oh! On a un petit tote bag, ça, j'avais pas vu. Voilà, le chaton. Oh là là! Donc ensuite, nous avons un petit tote bag. Il est trop mignon. Franchement, j'adore. Bah écoutez, c'est quand même pas mal. Et si vous voulez tester cette box avec le code Harley, donc dites merci à ce magnifique chaton. Avec le code Harley, vous avez moins 5 euros sur votre première commande. Voilà. Du coup, Harley, elle fait profiter ses autres copains, les chats. Pour tester cette box. Et à mon avis, alors si vous commandez cette box, dites-moi si vous aussi vos chats sont dingues de se jouer, quoi. Hein? C'est incroyable. Je vais vous montrer un truc. En fait, à chaque fois, je fais tout le temps des listes sur des bloc-notes, des choses à faire, que j'essaye de faire pour le week-end. Et en fait, j'étais en train de chercher sur Amazon et j'ai trouvé ça. Et ça m'a l'air d'être une sorte de bloc-notes. Et ce que j'aime bien, c'est que... En fait, c'est ce que je cherchais. Une sorte de petits carnets, des petits trucs à cocher. Donc ça, c'est top. Je pense que je vais me l'acheter. Et il coûte 11,54€. Regardez, je viens de le recevoir. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Mais je suis trop contente, je vais le déballer. Attention, je vais le découvrir en même temps que vous. Oh non, j'adore. C'est trop bien. En fait, à faire ce jour. Et vous mettez ce que vous voulez. Et puis vous cochez. Enfin, fini la galère. Ah oui, et derrière, en fait, il y a des choses à faire aussi. Votre planning, si vous voulez... mettre des petites choses avec vos horaires, etc. Bah, franchement, c'est génial. Et franchement, pour 11 euros, enfin 11-12 euros, je trouve que c'est pas mal. Il y en a beaucoup. Le truc est immense. Regardez mon ordi. Mon ordi, c'est un 15 pouces. Hein. Laissez tomber. Franchement, pas mal du tout. J'adore. Regardez, ça, c'est une guirlande qui me l'a offert. C'est trop cute. C'est une rose éternelle. J'adore. Du coup, je l'ai mis là sur mon bureau. Donc voilà. Là il est quelle heure? Il est 21h. Ce que je vais faire. Donc là il est 21h, excusez-moi pour cette tête. Je suis fatiguée. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir ce que j'ai à faire sur mon ordi. Il faut qu'il charge, parce que là je vais aller me laver, parce que demain je travaille et j'aime bien prendre ma douche le soir. Donc voilà, je vais vous laisser. Et merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour m'encourager. Je vous laisse et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé.
ce que vous pensez de chez IKEA. Et voilà, et je vous dis à très vite. Salut!